وسنقتل كل الأوراق. إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآثار، نحن نكافح للإسلام، نحن التقوى والإرشاد، نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد، وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد. إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآثار، نحن نكافح للإسلام، نحن التقوى والإرشاد، نحن جيوش قد دكت بالإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Cet audio, je l'ai intitulé La mentalité des combattants de l'islam, parce que après avoir fait et refait et re-refait le tour de la question, vous le voyez bien à travers ces audios, pour ceux qui suivent depuis longtemps, on a vraiment parlé de toute une série de choses. Et à un moment donné, arrive quand même l'heure des bilans ou l'heure des constats. Comme vous le savez, je dédie beaucoup de temps à lire les messages qu'on m'envoie, à parcourir les murs Facebook des uns et des autres, pour essayer en fait de comprendre ma communauté, savoir quels sont ses problèmes, savoir quels sont ses questionnements, et surtout savoir d'où vient le problème. Pourquoi problème? Parce que si nous sommes 1,5 milliard de musulmans dans le monde, s'il y a des mosquées à peu près dans tous les pays, s'il y a un accès à l'information comme il n'a jamais été aussi facile d'en avoir, et que malgré ça, nous sommes faibles et humiliés, stigmatisés, combattus, tués, envahis, pillés, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, comment j'ai pu le cerner, Inch'Allah, en analysant les réactions et les comportements des musulmans qui sont sur les fronts, et en les comparant avec les musulmans, quelle que soit leur tendance, leurs origines, leur âge, peu importe, parce que c'est toujours la même chose, qui sont en dehors des fronts, c'est-à-dire nous. Et là, soudainement, les choses deviennent beaucoup plus claires. Là, on commence à comprendre le problème. Alors, quel est le résultat de cette comparaison? J'ai découvert que, homme ou femme, et tout minhaj confondu, et même chose assez étonnante, surtout parmi les minhaj les plus engagés, il y a toute une série de comportements qui ne sont pas du tout conformes, qui ne sont pas du tout comparables avec le comportement et le caractère des gens qui sont dans des pays en guerre. On constate que sur toute une série de points, la hijra, le mariage, le travail, l'argent, la gestion de sa famille, les difficultés au quotidien, nous nous plaignons. La hijra, je vais aller où? Je ne calcule plus le nombre de messages que je reçois, auxquels je ne réponds plus, parce que bon, je dois vivre aussi, qui répètent sans cesse, oui, la hijra, d'accord, mais je vais où? Vous devez être des dizaines et des dizaines à m'avoir envoyé ce genre de messages. Ou vivre le célibat, de nos jours, le mariage est devenu une épreuve, une torture, soyons heureux dans le célibat, etc., etc. Donc, sur toute une série de points, on remarque en fait que les gens, malgré qu'ils ont compris le tawhid, malgré qu'ils ont compris le désaveu, malgré qu'ils ont compris al-wala wal-bara, kouf bitarot, la démocratie, le vote, les chiites, ils ont compris tout ça. Mais, et c'est là le point, nous n'avons pas la mentalité de combattants de l'islam. Nous sommes des plaintifs, nous sommes dans les jérémiades, nous sommes dans les caliméros, quoi. C'est vraiment trop injuste, pourquoi et je vous dis, c'est toute tendance confondue, hein, il ne faut pas croire. Parce qu'on va croire que je montre du doigt certaines personnes, non. C'est chacun dans ses sujets. Par exemple, bon, c'est vrai que des gens un petit peu de tendance frère musulman
vont mettre en avant, un petit peu comme le collectif contre l'islamophobie ou Nabil El-Nasri, etc. Ils vont mettre en avant les discriminations à l'embauche, les injustices dans les traitements, des particularités des musulmans par rapport à ceux des juifs, les agressions, le fait que Morsi a été évincé du pouvoir, bon, des choses comme ça. Mais pour d'autres, c'est le même comportement, mais sur d'autres sujets. La Oumma ne comprend rien. Moi, je vais faire cavalier seul, etc. Donc, les gens, en fait, sont toujours dans une réaction. Et vraiment, je vous demande, comme je me demande à moi-même, de beaucoup méditer là-dessus, parce que c'est assez important. Il faut se demander à un moment donné, est-ce que c'est normal d'être musulman, musulmane, et de tout le temps se plaindre, et de tout le temps dire ce qui m'arrive est injuste, et de tout le temps dire il n'y a pas de solution, je suis prisonnier de ma vie, prisonnier de ce que je vis tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est un piège subtil qui est tendu par Shaitan, dans lequel, malheureusement, nous, les frères et sœurs, malgré que nous sommes instruits en religion, voilà pourquoi j'ai toujours dit, et on m'a jamais compris, j'ai toujours dit, la science n'est pas la solution à tous nos problèmes. Parce que je le vois bien, il y a beaucoup de frères et de sœurs, ils ont vraiment des gros bagages de science, et malgré ça, ils vivent des choses incroyables, ils sont à leur 3/4e divorce, ils ont attrapé des caractères durs, ils ne croient plus dans l'amour, ils ne croient plus dans les solutions. Vous leur dites, Hijra, ils vous dites, ouais, mais non, parce que dans le monde arabe, bon, je veux dire, une sorte de désillusion globale. Hein? Ma famille ne comprend rien. Bon. Et pourquoi je vous dis ça? Pas pour faire le concierge qui fait des commérages, mais pour vous dire, si vous cherchez où est le problème, eh bien il est là. Parce que si vous voyez comment se comportent les combattants de l'islam, les moudjahidines, ils parlent pas comme ça. Ils parlent pas comme ça. Ils se satisfont du destin qu'Allah leur a donné. Ils ne s'enfuient pas des épreuves. Au contraire, ils les cherchent. Ils sont reconnaissants envers les bienfaits d'Allah, parce que je vous rappelle que même si vous n'arrivez pas à vous marier, vous avez des oreilles, vous avez des yeux, vous avez une bouche, vous avez des mains, vous pouvez écrire, vous pouvez parler, vous avez le privilège de pouvoir admirer la création d'Allah, et malgré ça, on pleurniche, etc. Et vraiment, je pense, mes frères et sœurs, que Allah Azawajal, il n'aime pas les ingrats. Il n'aime pas les gens qui sont tout le temps insatisfaits. Vous savez, c'est un petit peu, si vous voulez faire un parallèle avec des choses plus proches de nous, c'est un petit peu comme si vous avez deux enfants. Et à tous les deux, une fois vous achetez une paire de chaussures à l'un, une veste à l'autre, à l'un vous lui donnez telle ou telle chose, à l'autre telle ou telle autre, et vous avez toujours un qui dit, merci papa, merci maman, je suis vraiment content, je suis heureux que vous pensez à moi, et je vais bien m'amuser avec ce que vous m'avez donné, etc. Et puis vous avez l'autre, ouais, mais je voulais pas des chaussures rouges, je les voulais bleues, oui, mais ça c'est trop grand, je voulais un petit, oui, mais ça c'est pas le jeu électronique que j'avais demandé, etc. On a beau aimer nos deux enfants, nous, surtout à notre niveau, à nous les humains, vous imaginez. À un moment donné, on va se fatiguer, quoi. On va se fatiguer d'avoir toujours affaire à quelqu'un. Bon, je parle des enfants, mais ça existe aussi dans le couple, hein. Il y a comme ça des femmes et des hommes qui sont tout le temps dans la plainte. T'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'aurais pas dû dire ça, tu m'as humilié, je suis vexé. À la fin, on est fatigué. Parce que voilà, par définition, c'est fatigant de tout le temps entendre des gens qui sont dans l'insatisfaction. Moi, je vous dis ça personnellement. Je vais dire, j'étais un peu comme ça moi-même. Hein, je me rappelle très bien que je suis passé par des moments dans ma vie où j'ai cru, naïvement et par manque de science sans doute, qu'en fait, se plaindre, c'est des humains, et exposer mes malheurs, ça allait changer quelque chose. Laissez-moi vous dire, j'ai quand même 39 ans, bientôt 40, Inch'Allah. Laissez-moi vous dire que ça n'apporte absolument rien. L'être humain, il est ainsi fait qu'il va adopter toute une série de postures face à ce genre de situation. Soit il va s'éloigner de vous en disant, oh là là, celle-là ou celui-là, il se plaint tout le temps.
Il m'apprend rien, il est toujours dans il déverse sur moi ses malheurs. Moi, je sais rien y faire. Il a qu'à trancher, il a qu'à prendre ses décisions. Moi, je peux rien dire. Et les gens vont s'éloigner de vous. Ou bien des gens vont être là et vont vous complaire dans votre plainte. Ah ouais, c'est vrai, il est vraiment un salaud, t'as raison. Ah, tu dois vraiment faire quelque chose. Écoute, je connais quelqu'un, une assistante sociale, elle va t'aider. Bon. Les gens vous poussent, ils vous poussent en avant. Ils cherchent pas des solutions. Ils cherchent à contenter votre ego qui est dans la plainte. Ou bien vous avez encore des gens qui vont un certain temps prendre le temps. C'est les meilleurs des gens. Hein. Je cours pas les rues, mais il y en a qui vont prendre le temps de vous écouter, qui vont vous répondre avec Coran, Sunna, avec science, avec patience. Mais bon. Ils peuvent pas choisir à votre place, ils peuvent pas trancher à votre place. Souvent, en fait, on est devant le scénario suivant, hein. Des gens se plaignent de leur situation. Vous prenez le temps de les écouter. Vous leur répondez en leur fournissant toute une série de pistes et de solutions. Et ils vous disent, ah non, 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 ça je peux pas. Ah non, 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 ça va être trop difficile. Ah non, 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 ça ma mère ne pourra pas truc. Ah non, ça c'est vraiment impossible. Et alors vous dites, mais en fait, tu veux quoi? Que veux-tu? Et la personne ne vous répond pas. Et c'est là que vous comprenez, en fait, la chose suivante. C'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, même si ça peut paraître très dur et très cruel ce que je vais dire, la plupart des gens qui se plaignent, d'abord, ils grandissent la chose parce qu'ils veulent vous apitoyer. Donc ils exagèrent, ils agrandissent. Une fois que vous rencontrez, par exemple, le mari dont la femme se plaignait tant, ou la femme dont le mari se plaignait tant, vous vous dites, il est un petit peu exagéré quand même. Lui aussi, il a dû la provoquer, ou elle aussi, elle a dû abuser de certaines choses pour ça. Donc vous réalisez qu'il y a eu une exagération dans la description de la situation, ou qu'on vous a donné un son de cloche, mais pas les deux. Et vous réalisez aussi et surtout que beaucoup de gens qui se plaignent, ma famille ceci, mon mari cela, ma femme cela, en fait, ils veulent pas changer de vie. Ils veulent pas. Ils veulent pas trouver des solutions. Ils veulent que tout continue. Mais comme ça leur est pénible, ils doivent trouver des oreilles attentives et compassionnelles qui vont écouter, qui vont dire, ah ouais, sabre mon frère, je te comprends. Oui, t'as raison, qu'Allah te couvre de sa miséricorde, etc. Vous voyez? Et tout ça, tout ce que je vous raconte là, ce sont des comportements qui sont complètement étrangers aux combattants de l'islam. Voilà pourquoi, quand on parle des solutions, beaucoup de gens ils disent il faut se réformer, il faut revenir vers Allah, il faut acquérir de la science, il faut appliquer la sunna. Ce sont des notions un peu abstraites, hein. Certes, on peut dire ça pour se donner bonne conscience, mais après les gens vont dire oui, mashallah, mais en fait ils n'ont pas vraiment compris. Où ils vont pas vraiment appliquer ça. Donc, quand on est dans les solutions, il faut à un moment donné se poser la question et se dire, comment ça se fait que j'ai tout ce bagage de science, que j'ai compris beaucoup de rouages et de mécaniques de ce monde et de ma religion, mais je suis incapable de transformer ma vie et de trouver une certaine forme de bonheur. Et que je suis tout le temps dans les épreuves, dans les plaintes, etc. Alors il y a deux choses et tout le monde le sait. Il y a d'abord les épreuves qui sont décrétées par Allah pour des raisons qui lui appartiennent. Soit parce que vous avez besoin de vous purifier ou d'expier des péchés, et il vaut mieux les payer ici-bas que dans l'au-delà. Soit parce que des choses que vous n'aimez pas vous arrivent, mais qui sont un bien pour vous. Allah, il nous prévient dans le Coran, il y a des choses qui vous sont agréables, qui vous sont en fait mauvaises, et il y a des choses mauvaises qui vous sont en fait agréables. Donc, déjà, il y a ces deux choses-là. Un, Allah veut peut-être vous purifier de toute une série de péchés que vous avez faits, parce que l'être humain, il aime bien minimiser ses péchés. Hein. On aime bien dire, je suis à ma quatrième rencontre qui foire, etc., j'arrive pas à me marier. Oui, mais on ne dit pas exactement comment s'est passée cette rencontre, comment on a communiqué. Est-ce qu'on a respecté certaines règles ou pas? Bon, on préfère se plaindre sans faire une auto-analyse et une autocritique. C'est toujours plus facile. Et je le dis d'abord à moi-même, hein, parce que moi, ça m'est arrivé. Donc, je me cache pas. Hein, moi, je ne suis pas occupé à vous juger. Moi, de 2006 à 2007, j'ai fait de nombreuses rencontres en vue de mariage et tout. J'ai vécu des expériences assez hallucinantes. Mais je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Je ne me plains absolument pas.
à Allah de ce qui m'est arrivé parce que je le méritais, parce que je n'ai pas suivi les règles. Et quand on ne suit pas les règles, eh bien, il vous arrive toutes sortes de choses. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à pleurnicher sur le destin plutôt qu'à pleurnicher sur ses péchés. Ça, c'est un des problèmes. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, les épreuves, donc soit pour purifier des péchés, soit parce que c'est pour vous protéger d'un mal plus grand, donc on ne le comprend pas, mais voilà. Ou bien c'est parce que c'est à cause de votre attitude. C'est à cause de votre attitude. Et là, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc dans tous les cas, il y a une réponse adéquate. Soit Allah vous purifie, soit il vous préserve d'un plus grand mal, soit c'est votre faute. Donc c'est très simple l'équation, hein, parce que je le répète comme je le répète régulièrement, Allah il n'est pas injuste. Allah il n'est pas injuste, il sait qui sont ses fidèles serviteurs, il sait qui sont les vertueux, il facilite à qui il veut, et il est capable de tout, même de l'impensable, de trouver une rose au milieu d'une forêt épaisse où il n'y a aucune rose qui pousse, vous pouvez en trouver une tout d'un coup, si Allah l'en a décidé ainsi. À titre d'exemple, je me rappelle d'un récit, je pense que c'était d'Abu Moussa Bazarkawi, qui avait dit lors des batailles à Fallujah, nous avions faim, nous avions soif, et tout d'un coup, dans une maison ou dans une cour, je ne sais plus les détails, hein, nous avons trouvé des fruits, des pastèques, etc., alors que ce n'était pas la saison et que nulle part on en trouvait. Et nous avons pu nous manger et boire ces fruits merveilleux. Donc je veux dire, il faut quand même comprendre aussi et ne pas oublier que Allah est capable de tout. Et ça, nous l'oublions souvent. On est toujours avec un esprit cartésien, même quand on juge la géopolitique et tout. On est toujours dans une logique froide. Allah est capable de tout. Et nous le savons tous. Regardez le monde dans lequel on vit. Un monde technologique, électrique, électronique, etc. En quelques secondes, Allah pourrait bouleverser tout ça, comme il a fait à Fukushima, etc. C'est une prise de conscience très importante à avoir que dans la vie, Allah est capable de tout. Parce que si on n'est pas convaincu qu'Allah est capable de tout, effectivement, on commence à faire des calculs d'apothicaire, on devient un comptable, on commence à être minimaliste et avoir peur de tout. L'essentiel dans l'équation, et c'est là qu'on rejoint la mentalité des combattants de l'islam, c'est d'avoir confiance en Allah et de faire des actes de bien qui vont être aimés par Allah afin que vous soyez son bien-aimé et qui donc il va vous donner des choses qu'il ne vous aurait pas données en temps normal. Donc la seule préoccupation qu'on doit avoir quand des choses malheureuses nous arrivent dans la vie, ce n'est pas de commencer à téléphoner à X, Y, Z, pleurnicher, machin, envoyer des SMS, j'en peux plus, je vais me flinguer, bon, comme ça arrive parfois dans mon entourage. La solution, et on ne la veut pas, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. La solution, c'est de se dire, est-ce que je mérite mieux? Est-ce que j'ai posé des actes dans ma vie qui font que je peux revendiquer mieux que ce qui m'arrive. Je suis sérieux, hein, c'est très sérieux ce que je vous dis, parce que c'est vraiment le problème ici. Hein. Et moi, ça me fait beaucoup de peine, je vous assure, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine de voir des frères et des sœurs dans le désaveu, qui ont compris plein de trucs, qui sont vraiment en avance sur leur âge. Parfois, je suis estomaqué parfois de lire des propos ou des textes écrits par des frères et sœurs de 16, 17, 18 ans, et je me dis, mashallah, moi à cet âge-là, j'étais complètement perdu, j'étais, je ne sais même pas où, je ne vais pas le raconter, parce que bref, et je me dis, c'est vraiment superbe, c'est des victoires, c'est une grande victoire de voir parfois une jeunesse aussi instruite. Mais le problème, c'est que derrière l'instruction, on voit des terribles lacunes dans le comportement, dans le vocabulaire, dans la façon de réagir. Je ne veux pas jeter la pierre, mais à nouveau, c'est très choquant, c'est très très choquant quand on voit sur le mur d'une sœur où on voit des photos de niqab, de moujahidine, de drapeaux noirs, etc. Et de voir des copier-coller de hadiths, de fatwas très pointus.
Et puis de lire une conversation de cette même sœur où elle est là, « Wesh, wesh, tu saoules, barre-toi de ma vue, pété de rire. » Enfin, je ne dis pas que c'est haram, je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est un peu choquant. Et nous, on devrait se poser des questions avant qu'on écrive sur le Facebook ou ailleurs, à se dire si quelqu'un il lit ça et il voit mon profil, est-ce que je suis une bonne vitrine pour l'islam? Est-ce que quelqu'un de neutre, hein, un mécréant ou un musulman light qui se cherche, qui dit tiens, qu'est-ce qu'ils écrivent ces gens, ils ont l'air fous avec leur drapeau noir et truc, mais en fait, qu'est-ce qu'ils racontent et qui lit ça? Vous imaginez leur responsabilité devant Allah? Je crois vraiment, mes frères et sœurs, qu'on ne réalise pas à quel point, quand on a eu la chance divine, d'acquérir certaines compréhensions des choses et qu'on s'affiche en tant que tel, parce que bon, quelqu'un qui... Il y a beaucoup de gens aussi sur Facebook, hein, ils lisent, ils ont pas de mur ou ils ont un mur vide, ils disent rien et ils s'instruisent en fait. Ça c'est encore un autre cas. Moi je parle des gens qui s'affichent, qui ont des avatars très explicites et tout. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens, ils vous lisent et ils vous prennent en exemple. Et j'avais dit dernièrement, je ne sais plus très bien quand, enfin bref, parce que j'écris beaucoup, j'avais dit dernièrement, est-ce que c'est normal? Voilà un exemple. Est-ce que c'est normal qu'une sœur qui porte le djilbab et le niqab, qui se dise appartenir au minhaj salafi, djihadi, etc., qu'elle a dans son mur des photos de ses sœurs, enfin, dans ses amis, ses sœurs de sang, hein, donc ses sœurs, parfois 3-4 sœurs, qui sont toutes là à afficher des photos, parce que parfois elle est la seule à être guidée vers l'islam, et ses sœurs sont peut-être musulmanes, mais désobéissantes, et de voir que, à côté de ces photos, il y a des commentaires de la sœur en niqab qui dit « Mashallah, t'es trop belle, je suis trop fière de toi, t'as bien réussi ton lissage brésilien, etc. » On comprend plus, là. On comprend plus. Moi, je comprends plus, en tout cas. Toi, tu t'affiches comme musulmane pratiquante, djihadiste, etc. Et tu complimentes ta sœur de sang qui se présente sur Facebook au monde entier en petite tenue, cheveux à l'air et décolleté plongeant. Et tu la félicites. Moi, je comprends pas. Alors, quand on voit tout ça, et je vous passe les mille et un exemples, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, d'où l'intérêt sociologique de parcourir Facebook, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que, d'un côté, souvent, en fait, on se trompe. Hein, on se trompe dans le sens qu'on dit, oui, il y a des vendus, il y a les traîtres, il y a ceux qui suivent les savants du palais. Oui, c'est vrai tout ça. Oui, d'accord, c'est vrai. Je vois les murs des salafis. Il n'y a que des liens vers des savants saoudiens. Il n'y a jamais une expression personnelle. Il n'y a jamais de sentiment. Il n'y a jamais de discussion de fond. Oui, d'accord. Mais, je dis que c'est très choquant et c'est très décevant que des frères et sœurs qui ont une compréhension beaucoup plus profonde de la religion et complète, en y greffant économie, géopolitique, etc., ont parfois des comportements vraiment indignes. Et pourquoi j'ai intitulé le titre, bon, que beaucoup de gens auront cliqué émotionnellement pour dire « Ah, la mentalité des combattants, ça m'intéresse, etc. » Ils ne se rendent pas compte que, en fait, cet audio, alors que à la base on cliquait dessus pour comment je vais dire pour un peu alimenter leur rêve de djihad, etc. Cet audio en fait c'est un témoignage contre eux-mêmes et contre moi-même, contre nous tous, hein, parce que toujours quand je parle, je vous le rappelle, je me fais mon auto-jugement parce que je suis parmi vous, je suis un musulman qui vit en Occident, qui a des lacunes et qui dans sa vie a adopté certains des comportements que je dénonce. Mais une fois qu'on en est sorti, une fois qu'on a compris certaines choses, on doit transmettre pour vous faire gagner du temps. Moi, je regrette énormément d'avoir attendu 39 ans pour comprendre certaines choses, mais Allah l'a voulu ainsi. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'années dans ma vie sur des fausses pistes, et si je peux faire gagner du temps à certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est toujours bon à prendre, d'où ma démarche. Et donc, je vous disais, ces gens que nous, comment dirais-je, que nous admirons, bien que je pense que c'est pas le bon mot, parce que ça aussi,
Je l'ai écrit aussi. En dehors du fait que nous avons des lacunes de comportement, nous sommes dans les plaintes et tout, nous avons aussi le terrible défaut, toutes tendances confondues, hein, de vouloir absolument trouver des idoles faites de chair et de sang. Pour les uns, c'est Tariq Ramadan, pour les autres, c'est Mohamed Merah, pour les autres, c'est Cheikh Fawzan, Rabih, etc. Nous devons trouver des êtres humains qu'on va dire, il est merveilleux, il est magnifique, il alimente tous mes fantasmes, c'est le musulman parfait, c'est le guide suprême, c'est la personne qui se trompe jamais, qui a tout fait bien. Nous avons toujours ce sale instinct, je m'excuse de dire sale instinct, mais vraiment c'est un sale instinct, de dire, j'ai besoin de trouver un être humain excellentissime. Alors qu'on sait tous, quand on se regarde dans un miroir, et qu'on a un peu vécu, et qu'on a un peu rencontré des gens, on sait tous que les êtres humains, dès qu'on gratte un peu, hein, on va trouver des paradoxes, on va trouver des lacunes, on va trouver des manquements, on va trouver des mensonges, on va trouver des péchés, qui que ce soit d'entre nous. Moi, honnêtement, j'ai trop vécu. Alhamdoulillah, j'ai trop vécu, j'ai trop rencontré, j'ai trop vécu d'expérience que pour tomber dans ce piège-là. Parmi les êtres humains, il n'existe pas des êtres parfaits, qui font jamais de péché, qui sont jamais décevants, qui disent jamais une parole qui vous blesse ou qui est source d'incompréhension, qui font jamais un faux pas. Ça n'existe pas. Et alors prenez garde d'adopter ce genre d'attitude, parce que le problème, c'est que quand vous idéalisez trop quelqu'un, quand vous réalisez qu'il n'est pas digne de cette idéalisation, vous allez le mépriser, vous allez lui cracher au visage. Un jour, un frère, il m'a dit, je ne vais pas le citer, quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et qui est totalement vrai. Il m'a dit, Abou Rayan, laisse-moi te dire une chose, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui te critiquent ou qui t'ont tourné le dos et voilà ce que j'ai compris. Il dit, tant que tu es une voix sur le net et que tu parles, les gens, en général, qui sont bon, de cette tendance, on va dire, ils t'admirent. Ils parlent en toi en bien, ils veulent te rencontrer, Abou Rayan ceci, Abou Rayan cela. Et puis, dès que tu les invites chez toi, ou que tu les rencontres, et qu'ils voient que ben, tu es un musulman parmi tant d'autres, que dans une discussion, tu peux montrer l'un ou l'autre signe de faiblesse, qu'ils remarquent en toi quelques péchés, en fait, qu'ils voient que tu es un être humain. Ils sont déçus. Et comme ils t'ont tellement admiré, une fois qu'ils t'ont connu en vrai, ils te rejettent parce qu'ils disent, il n'est pas conforme à mes idéaux. Et ce sont des gens qui finalement vont très loin, c'est-à-dire qu'ils font des pages de mise en garde, ils me bloquent, ils me bannissent, ils me méprisent, ils ne m'adressent plus la parole, ils ne me répondent plus au téléphone, ils ne répondent plus à mes mails, ça va très loin. Tout ça pourquoi? Parce que il n'a pas été conforme à ce qu'on a pensé qu'il était. Et moi, honnêtement, dans toutes les relations que je peux avoir, ou tous les gens que j'apprécie, je sais pertinemment bien qu'il y a toute une série de choses chez ces personnes-là, soit qui ne me plaisent pas quand je les connais, soit qui ne vont pas me plaire une fois que je vais les connaître. Et c'est le même problème qu'on a dans les mariages, mes frères et sœurs. Les gens sont très malheureux. Et soit n'arrivent pas à se marier, soit divorcent facilement, parce qu'ils ne veulent pas se mettre en tête, je ne me marie pas à Khadija, je ne me marie pas à Fatima, je ne me marie pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne me marie pas à Omar ibn Khattab, je me marie à un musulman de 2013 qui a été éduqué dans la mondialisation, dans les tentations, dans le modernisme, dans la facilité, dans les allocations. Ça fait depuis maintenant 70 ans qu'on n'a pas de grande guerre. Les gens sont affaiblis. Les gens sont. Déjà, si les gens sont dans le tawhid et sont musulmans, c'est un miracle. Vous comprenez? C'est un miracle. Avec toutes les tentations, les pistes pour se perdre, le foot, les jeux à la télé, les machins, les voyages, les voitures de sport. Tout ce que vous, bon, la mode, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, quelqu'un qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah,
qui prie, qui craint son Seigneur, c'est déjà une grande victoire, une très grande victoire. Alors, s'il vous plaît, je le dis pour vous, hein, essayez d'acquérir cette fameuse mentalité du combattant qui est de dire, le seul être parfait, digne d'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous fions complètement aux paroles, aux hadiths et à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'être humain choisi par Allah, dont le cœur a été nettoyé par les anges. Pour le reste, eh bien, bon, nous savons qu'il y a eu toute une série de prophètes, nous savons qu'il y a eu quatre femmes parfaites, et pas plus, Asiya, Khadija, Fatima, Mariam. Donc, après c'est terminé. Le reste, c'est des pécheurs, c'est des gens qui ont des faiblesses, c'est des gens qui font des faux pas, etc., etc. Et donc, il faut bien nous mettre ça en tête et arrêter de toujours vouloir trouver un autre être humain qui va résoudre tous nos problèmes, qui va jamais nous décevoir, etc. C'est pas comme ça. Parce qu'une fois qu'on a ça en tête, on est déçu, vous comprenez? Et quand on est déçu, ça met notre religion en danger. Vous croyez quoi? Qu'un frère qui est à son quatrième échec dans des rencontres de mariage, vous croyez qu'il en sort indemne? Vous croyez qu'il n'est pas perturbé dans sa prière? Vous croyez qu'il n'est pas perturbé dans ses projets? Ça peut aller loin. Il y a des gens qui finissent par se suicider, a'oudou billah. Oui. Il y a des gens, à cause de trop de chagrin d'amour, à cause de trop de problèmes, ils se suicident. Ou, s'ils ne se suicident pas, ils se suicident spirituellement. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous savez combien de sœurs, parce que moi ça fait longtemps que je suis dans cette affaire, hein, donc on connaît un paquet de monde à la longue. Vous savez combien de sœurs, à force d'attendre de prince charmant, qui n'est pas trop ceci, qui n'est pas trop cela, qui va plaire à mes parents, mais qui en même temps ne va pas être ça. Enfin bref, vous voyez le truc. Elles se retrouvent dans quelle situation? Souvent, on les retrouve, hein, 30, 31, 32, 33 ans, toujours pas mariées. Et Shaitan a fait son travail. Parce que lui, il ne dort pas, hein, pendant que nous, on ronfle et on se pose des questions et on se plaint. Lui, il travaille. Elles sont dans quelle situation? Eh bien, elles ont trouvé un job dans lequel elles peuvent garder un petit bandana, hein, pour pas être tout à fait vendues. Elles se sont, comment dirais-je, elles se complaisent dans leur situation. Ouais, finalement, le mariage est tellement compliqué de nos jours, j'ai pas envie de donner mon cœur à quelqu'un pour souffrir après. Les hommes de nos jours sont trop ceci, sont trop cela. Genre, les hommes d'avant étaient mieux, enfin bref, hein. Quand on regarde un petit peu en arrière, un demi-siècle, on voit des hommes qui ne parlaient pas à leurs femmes, qui buvaient, qui les frappaient, et elles travaillent comme des esclaves. Mais à part ça, les hommes d'aujourd'hui, c'est les pires qu'il n'y a jamais eu. Mais bon, bref, voilà, Shaitan, hein, il met ça dans la tête des gens. Et voilà, j'ai trouvé un équilibre. Si un jour, cet homme parfait passe, eh bien, pourquoi pas, Inch'Allah. En attendant, ben, j'ai trouvé mon équilibre, je travaille, j'ai mon petit Galaxy S4, j'ai ma petite Golf d'occasion, je vais à mon boulot, je reviens, je m'occupe de ma petite sœur, de ses études, je l'aide, voilà. Shaitan, bingo, a réussi. Et les gens sont tous là-dedans, en fait. C'est-à-dire, comme ils veulent pas se réformer, comme ils veulent pas acquérir cette fameuse mentalité du combattant, eh bien, ils commencent à se conforter dans leur mentalité de perdant. En disant, finalement, ben, moi, je suis à Las Vegas, hein, je mets des pièces dans la slot machine, je ne gagne jamais, mais bon, c'est amusant, hein, il y a des lumières qui clignotent, il y a des hôtesses, il y a de la musique. Certes, j'ai jamais les quatre pastèques pour toucher le jackpot, ben, je mets des pièces en attendant, c'est assez marrant. Tant que j'ai des pièces, je continue, hein, ben, bon, ça s'arrêtera avec ma mort. Donc, les gens, en fait, deviennent des espèces d'esclaves consentants, de gens, en fait, qui ne réalisent pas, je ne sais pas s'ils réalisent, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont occupés à ne rien construire, qu'ils tournent en rond. Et ils se délectent là-dedans, en fait. Ils disent, ouais, finalement, c'est pas aussi mal. Je suis libre, je ne souffre pas. Parce que la clé de cette affaire, mes frères et sœurs, c'est le désir absolu que nous avons de ne pas souffrir. Et ça, c'est la grande perte. Et ça, c'est la grande perte. Quand on parle de hijra, quand on parle de mariage, quand on parle de djihad, quand on parle de tout ça, le point commun des gens qui n'ont pas su acquérir cette mentalité du combattant, c'est qu'ils ne veulent pas souffrir.
Et l'idée qu'ils vont souffrir dans un pays musulman qui est moins riche que l'Occident. L'idée qu'ils vont souffrir dans un mariage malheureux. L'idée qu'ils vont souffrir sur un champ de bataille, torture, blessure, emprisonnement, etc. fait que ils commencent à aimer et à défendre leur vie. Et là, vous comprenez mieux pourquoi il y a des gens comme, bon, je ne sais pas si c'était encore des noms, parce qu'on dit que j'arrête pas avec les noms, donc je me tais un peu. Des gens qui disent, ben, on est bien en France, j'aime la France. Oui, d'accord, la France a torturé, violé ma grand-mère en Algérie, mais moi, je suis bien, j'ai ma carte vitale, mon fils va à l'école de la République, il y a des belles autoroutes à péage. Oui, d'accord, de temps en temps, une sœur est violée, agressée. La France envoie des troupes au Mali, en Afghanistan, avec mes impôts, mais... Ouais, mais ailleurs, ça va être quoi? Je vais aller faire quoi au Soudan? Moi, je suis un musulman d'Occident. Je suis français malgré moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et puis en France, la France, c'est pas que Sarkozy et Manuel Valls, c'est aussi Dieudo, c'est aussi Soral, c'est aussi Tariq, machin. Donc, moi, ma France à moi, bah, c'est une France comme ça. Vous voyez, Shaitan vous entraîne dans un tourbillon de propos et de pensées qui vont vous faire en fait tourner en rond et perdre beaucoup de temps. Et donc, si vous voulez comprendre d'où viennent vos problèmes, et si vous voulez comprendre quelle est la différence entre vous et les gens qui combattent au nom d'Allah, c'est en fait tout ça. Eux, ce sont des gens qui ne se plaignent pas. Eux, ce sont des gens qui ont le sourire. Eux, ce sont des gens qui, jusque dans leur mort, lèvent leur index. Eux, ce sont des gens qui disent « Inch'Allah, Allah c'est mieux, bidnillah ». Eux, ce sont des gens qui ne s'attristent pas de leur sort, même s'il leur arrive des choses qui pour nous nous semblent complètement abominables, invivables, folles, etc. Ils continuent à avoir ce sourire, ils continuent à dire « Alhamdoulilah ». Et continue à espérer le paradis et les houris, etc. Alors voilà la différence. Et justement, ne croyez pas que ces frères qui sont comme ça, qu'ils ont passé 10 ans à Médine, qui parlent parfaitement l'arabe, qui font aucun péché, etc. Ne croyez pas ça. Ça, c'est ce que veulent vous dire les gens qui veulent vous éloigner les choses. Quand tu iras tous les matins à la prière le Fajr, quand tu auras un pantalon à mi-cheville, quand tu n'oublieras pas de brosser tes dents avec un siwak, quand tu connaîtras 45 hizb, et quand tu auras une taskiya de machin, et quand tu auras fait ceci, et quand tes parents t'autoriseront, et quand un gouverneur saoudien dira oui, alors peut-être tu pourras enfin aller au secours de la veuve et de l'orphelin. En attendant, reste ici et continue ta vie de musulman simple. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est les gens qui aiment éloigner. Parce que pour fuir, vous savez, quand on veut fuir quelque chose, on trouve toujours des excuses. C'est pas le moment, il fait froid, il fait chaud. Oui, mais pour le moment, ma maman est hospitalisée. Mon petit frère doit se faire opérer. Je dois m'occuper de l'enterrement de mon père. Oui, mais justement, j'ai une formation qui termine en 2016. Après ça, je pourrais mieux aider la Oumma parce que j'aurai un diplôme. Shaitan est extrêmement malin. Shaitan est extrêmement perfide. Et nous sommes d'une naïveté ou d'une malhonnêteté intellectuelle terrible. C'est ça la réalité. Et pourquoi je dis tout ce que j'ai dit? Parce que je vous vois souffrir. Je vous vois être malheureux. Je vous vois subir des épreuves que vous ne comprenez pas. Je vous vois vous diriger vers des solutions qui n'en sont pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris qu'au-delà de la science, au-delà de la barbe, au-delà du niqab, au-delà des kalaches, au-delà de tout ce que vous voulez, il y a la sincérité, la confiance et la soumission dans le décret d'Allah. Et ça, c'est ce qui nous manque à tous, certains moins que d'autres, bien sûr, et le gros problème, il est là. Et vous aurez beau avoir des bibliothèques énormissimes, il y a un frère, ça me fait rire, c'est un rire un peu triste, mais ça me fait rire quand même, à chaque fois qu'il voit une photo avec un frère qui a plein de livres derrière lui, il dit « Mashallah, tu, tu,
Tu as un trésor chez toi. C'est devenu le culte des livres, vous voyez? C'est-à-dire, plus tu exposes des livres, c'est devenu un sport maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin avec tout le respect, bon bref, ça va être mal pris, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les nouvelles vidéos que Mathemati publie, on n'est plus derrière un bureau comme avant, on est devant une bibliothèque. Pourquoi? Parce que de nos jours, posé devant des livres, on dit, Mashallah, quel homme de science, vous voyez? On ne sait pas s'il les lit, les bouquins, on ne sait pas s'ils sont écrits dans une langue qu'il comprend, on ne sait même pas, parce qu'il y a eu un temps, ici en Europe, la mode c'était d'avoir des fausses bibliothèques, c'est-à-dire, c'était des livres creux, vous voyez, on voyait que le côté du livre rangé à la bibliothèque, et puis quand on le prenait, dedans c'était vide. Mais c'était pour le décor, c'était pour montrer, voilà, nous sommes une famille instruite, chez nous on lit, il y a des livres. Vraiment, mes frères et sœurs, nous sommes très pathétiques, je vous assure. Et je dis nous, hein, donc je me mets bien dedans. Hein. Nous sommes pathétiques et honnêtement, on doit se remettre en question. On doit vraiment se demander si en fait il nous arrive tout ce qui nous arrive et que manifestement, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à être heureux dans le mariage, on n'arrive pas à régler nos problèmes de famille, les incompréhensions, on n'arrive pas à trouver un job, on n'arrive pas à trouver le courage de faire la hijra, et finalement on en vient à admirer les frères de loin en Syrie, mais nos vies sont une catastrophe. Il faut à un moment donné se demander pourquoi. Il faut vraiment se demander pourquoi, et voir si en fait finalement ce qui guide nos vies, c'est pas la crainte d'Allah, mais plutôt nos peurs, nos manquements, nos doutes, le manque d'introspection, le manque d'autocritique. Régulièrement, je parle... Je suis déjà à 40 minutes, bon, ça va très vite. Régulièrement, je parle avec des psychologues, des sexologues, des thérapeutes de couples musulmans. Et vraiment, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vraiment un désastre. C'est un vrai désastre. Et ce désastre, il se résume un peu à tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est un point dont j'ai déjà parlé, mais sur lequel je vais insister avant de conclure. Les gens deviennent musulmans ou reviennent à l'islam et ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre qu'ils doivent, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle alliance avec Allah, ils doivent faire le deuil de leur passé. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que quand quelqu'un se convertit à l'islam ou fait la hijra fi sabilillah, tous ses péchés sont effacés et qu'il est comme dans une renaissance. Le problème, c'est que nous sommes dans une renaissance, mais notre cerveau continue à faire vivre les anciens fantômes du passé. J'ai été abusé par mon oncle, ma mère ne m'a pas aimé, je sais pas moi, tout ce que j'entends, hein, j'ai été arraché à ma famille par les services sociaux, j'ai subi des violences, enfin bref, toute une série de choses, chacun son drame, chacun sa vie, etc. Et le problème, c'est que tous ces problèmes-là sont transportés dans le couple, on fait payer des innocents, hein, une femme ou un homme qui a des très bonnes intentions, avec qui on veut résoudre des conflits personnels de notre passé, évidemment ça se passe pas bien, parce que la personne en face vit ça comme une grande injustice, elle ne comprend pas, toute une série de problèmes nous arrivent parce que nous ne comprenons pas, au-delà de la science, au-delà de l'arabe, au-delà des kamis, au-delà des niqabs, nous ne comprenons pas que nous devons reformater notre esprit. Hein? Donc il faut défragmenter, reformater. Donc vous savez comment ça se passe en informatique. Hein? Un formatage, ça veut dire que un formatage d'usine sur un téléphone ou un ordinateur, ça veut dire qu'on efface tout ce qui a été mis dessus par le passé. Et on repart à zéro avec un disque dur totalement vide. Et de là, on remet des nouveaux programmes. Mais ça, malheureusement, je ne dis pas que c'est possible, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Mais c'est vraiment important à un moment donné de dire, ma vie d'avant, c'est ma vie d'avant. Mes passions d'avant, c'est mes passions d'avant. Mes péchés d'avant, c'est mes péchés d'avant. Mes anciennes fréquentations, c'est mes anciennes fréquentations. De quoi va être fait mon avenir? Parce que Allah, il va me juger sur mes derniers actes. Tout le monde le sait quand on lit des histoires en lien avec les musulmans, que des fois il y a des gens qui ont eu des vies vraiment catastrophiques, des alcooliques, des prostituées, etc.
Et à cause d'une œuvre de bien faite en toute sincérité, en toute soumission à Allah, Allah, dans sa miséricorde, les a pardonnés. C'est très important, il faut comprendre que quoi que vous ayez fait, Allah il peut vous pardonner et vous pouvez avoir votre place au paradis à condition de rechercher le fait de produire des œuvres de bien faites en toute soumission et en toute sincérité envers Allah. Et il n'est jamais trop tard. Quoi que vous ayez pu subir ou fait subir à d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que des victimes, il y a des bourreaux aussi, il n'est jamais trop tard, les portes du paradis sont larges, elles sont grandes, pour les véridiques, les sincères, les humbles, les soumis, et ceux qui adorent Allah comme il se doit. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tout ceci, c'est pas des théories, c'est pas du blabla, c'est pas des copier-coller sur Facebook, c'est pas des audios, hein. À un moment donné, c'est quelque chose à construire avec soi-même devant son miroir, dire où tu en es, qui tu es en fait, qui tu es derrière ce niqab, c'est quoi que tu aimes? Gossip Girl, le maquillage, les décapotables à Dubaï, c'est quoi que tu aimes derrière ce niqab? C'est quoi ton cœur? Pourquoi tu vibres? Oui, ton cerveau peut-être qu'il vibre pour les moujahidines, pour les bannières noires, mais ton cœur il vibre pourquoi? Ton cœur il se réveille la nuit pourquoi? Ton cœur il est émoustillé et en transe pourquoi? Et à un moment donné, si vous voyez qu'il est en transe pour GTA V, qu'il est en transe pour Call of Duty Ghost, qu'il est en transe pour FIFA 2014, qu'il est en transe pour le dernier tube de Section d'Assaut, il faut se poser des questions. Et peut-être que vos problèmes, ils viennent de là, tout simplement. Alors plutôt qu'insulter le destin, pleurnicher, taper à mille et une portes pour dire « je suis mal », regardez-vous dans un miroir, passez votre cœur au scanner et vous aurez beaucoup, beaucoup de réponses, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.